The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Que d'eau, tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cowboy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part trois hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bouge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, cinquième lord du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez. Mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis un mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Or, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez, c'est du bon sang de cochon tout frais. Millbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis, elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'O City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau melon. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaînes. C'est Pompus le Laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons.
C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moins drap de crew, je garde les pantalons. Y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. J'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pauvres soldats indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp et des boules comme ça dans gosier. Hé hey! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe? Quatre, habillés comme squaws et enragés comme chacal. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh. Bizarre. Mes Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O-City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipeee, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud, pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je hais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapo, postard. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, postard. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas au type qui parle au... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose, qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après, ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie, mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient, même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicans sur la planche.
C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du Tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le Laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après la lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criait vengeance. Oh, grand esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain et bonjour pour mourir. Tes braves massacrer ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Chut. Les grands esprits se rencontrent. Un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mots du kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège! Ah! Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Essaye, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Boutons l'Indien ou trépassons. Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pour saut d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux fungus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Allô? Qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. George, la vache Bébon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est strapu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! T'as pas
Rattrapage nocturne. Violation de domicile. Voie de fait. Ça va vous coûter bonbons. Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction. Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? La vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assis! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachet m'obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au grand esprit. Ne te tracasse plus pour le grand esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme, peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'écorce qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait crashé de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Grock, la plus ignoble des Mike Beastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Honey des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pumpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche. Mais non, il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez. Pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Honey. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen tout ce qu'il y a de civilisé de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi!
son permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi ? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord. À condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Padding Lock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la troisième mi-temps. Lick-a-lick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy.